A land of wind and verb, where light triumphs, sometimes with cruelty. Provence, a land of inspiration, memory, tradition, and breath. May 1st, in Arles, the day of the Festival of Guardians, centaurs of the Rhone Delta, horsemen from the nearby Camargue. As every year, the women don their traditional dress, the costume of their region, a still popular custom shared by all social classes and generations. These women are Provençales, Arlésiennes, and full of pride. They keep their shimmering dresses in the old family armoire and pull them out on every occasion they get. These are not fancy outfits or remnants of folklore, but rather an expression of a return to their roots. Eternal Provence, the Provence celebrated by the late 19th century revival of Provençal literature that swept through Europe. His name is Frédéric Mistral, the embodiment of Provence. Mistral renovated the Provençal language, the long duck, and in 1904 received the Nobel Prize in Literature for his life work, an oeuvre devoted to Provence. This almond green statue was erected during his lifetime at Forum Plaza in the heart of the city. Vaison-la-Romaine, Tuesday morning, market day. The rich aromas of life, colors of the south. Coco Richard, Epicurean, wine grower, and outstanding hunter, has come to give a helping hand to his daughter Geraldine, a horticulturist. It's asparagus and strawberry season in the greenhouse. In the old family farmhouse, the Richards celebrate a daily ritual, the subtle art of the table. Max Fechet, neighbor and local mayor, has invited himself over. Toutes les recherches qu'on a fait, que ce soit la bécasse, le vanneau, le puvier, le perdreau, même le faisan, tout, c'est tout bon à la broche. On commence un repas chez moi, c'est tartines de grive d'abord. Voilà, pour l'apéritif. Après, omelette de truffe, les grives, le lièvre ou le sanguin. Voilà. Et après, fromage, dessert et du Côte du Rhône, du Petit Barbaras. When all is said and done, Provençal is their language. It resists and rises to the surface at the end of every phrase. Words have memory. Moi, je suis élevée chez mes grands-parents, oui. Alors, vous savez, ils ne parlaient pas français. Hein.
C'était complètement provençable. Avec moi, ma mère, eh bien, c'était plutôt le provençal que le patois. Mais c'est pas pareil. Hein. Il y a des mots que. Avec la charrue derrière le pivot, non, on est allé charruer avec le cheval. Voilà, nous c'est pas marseillais, mais provençal. Mais moi, j'ai été élevé dans la maison voisine, là, et pareil, jusqu'à l'âge de 15 ans, mon grand-père ne m'a jamais adressé la parole en français, pratiquement. Hein. Donc ça m'arrive, moi, à la mairie, si j'ai affaire à des gens du village de 65, 70 ans ou plus, on parle automatiquement en provençal, on s'adresse la parole en provençal parce que c'est naturel, quoi. Là, j'ai un facteur qui passe, et me voulait dire qu'il y a moins de ma couche. Mais il parle un peu pas toi, au moins. Et il est content. Ah, il m'a dit, toi, au moins, on ne te parle pas toi. Mais je sais que je lui fais plaisir, c'est pour ça que je dis, ben, il faillirait bon temps, ou je dis quelque chose. Moi, j'ai été élevé avec la grand-mère et le grand-père, les grand-mères et le grand-père. Ils parlaient pas toi. Alors, nous, on comprend le patois et on le parle. Tu vois. Et même les petits, Jean-Baptiste, mon petit neveu, il a 7 ans, et il comprend très bien le patois et ça, il va dire des copines de Dieu. Et pourtant, il est minot. Approche-toi, Max, c'est pas vrai? Voilà, regarde-toi, c'est un caca. Tu crois qu'elle est cuite? Ah, ben, je pense. Il y a pris une à la mémé aussi, à la mémé. Oui. Tiens, mémé. Ça te tue des plumes. Ça donne du courage. Hein? Merci, mon fils. To the east of Ventoux begins the highlands of Provence. Beyond the plateau of Vaucluse and Sceaux, with its citadel, the landscape grows hard and the sky grows near. Ancient Ventoux. In the land of honey and blue lavender, life is often harsh, since time immemorial. In this land of solitude, Georges Moutte is a man of stone, keeper of the lighthouse far from the sea. Je pense être provençal. Pourquoi Provence, la Provence débute un peu ici, parce qu'on se trouve sur la limite autrefois du Dauphiné. Et les Savoies, quoi. La limite était ici. Et la Provence de commencer ici. Je pense être plutôt provençal qu'alpin, ouais. Complètement à l'est, on a Pralou et Barcelonnette. Quand on se dirige plus à gauche, nord-est, on a le Briançonnais. Et quand on regarde en face de nous, au nord, nord-est, on a le pic de Buire. Complètement en face de nous, on a le Mont Ventoux, le fameux géant de Provence. The writer, Jean Giono, was inspired by these vast expanses of rock and wild moors. He traversed this intimate, universal theater in every direction and during every season. His words still float in the air. On this land without shelter high in the sky, the wind blows with unbearable ferocity. Its rumbling in the carcasses of houses is like that of a wild cat being disturbed during its meal. Alors la bergerie, d'après ce qu'on sait, elle daterait de 1730, à l'époque où s'est déclarée la peste. Et les gens seraient venus s'isoler dans ces bergeries qui seraient construites. Giono recounted the land, its people, and its history. In his novel, The Hussar on the Roof, the great plague returns in force. It is here, on the arid Contadour Plateau, that Giono supervised the shooting of the film Crisis. That was in 1960. La présence de Giono est très perceptible, oui, il est très connu. Moi, je l'ai rencontré qu'au travers d'un film, Crisis à l'époque,
Mais j'étais trop jeune pour pouvoir discuter avec lui ou quoi. Mais les voisins, les parents, tout ça l'ont bien connu. On the plateau, summers are dry and often very hot. But in the winter, life is harsh and always has been. On allait à l'école à pied. On avait 2 kilomètres. La commune nous fournissait une paire de skis pour aller à l'école l'hiver. On avait à cette époque-là, dans les années 55-60, on avait 80 cm de neige pendant 3 mois, voire plus. 3-4 mois, on ne voyait plus la couleur de la terre. Il était obligatoire d'aller à l'école, malgré la neige. Et il m'est arrivé une fois de ne pas y être allé parce que la neige était trop fraîche et trop profonde. On m'avait confisqué les skis. Mon père avait dû intervenir auprès de l'inspecteur d'académie. C'était pas comme aujourd'hui. Pour avoir une baguette le matin, il faut faire 20 kilomètres. Tout ça, ça a un coût. Il n'y a plus personne, on reste les seuls. Et après nous, qu'est-ce qui va certainement jouer le désert, hein? George is emphatic. He and his own will be the last peasants on this bitter land, its last Indians. The Moot family has been at Tinette for 3 centuries, and the 4 generations of the year 2005 are weary. Today, Owl is going to change queens for a 3-year reign. This is nothing like a beauty pageant. The future sovereign will be the ambassador of a culture, a tradition very much alive, in accordance with the wishes of Mistral. Their sumptuous traditional dress is today their common banner and a sign of solidarity. These young women of Arles and its surrounding area must face a demanding jury. They were tested on their knowledge of Provençal culture, their riding skills, their motivations. In 2 hours, only one young woman will remain, queen of the people of Arles. Dominique Serena, curator of the Museum Arlatan, a Provençal museum, is above all a transmitter of memory. Madame Serena is at home here, happily. Mireille and Vincent, Mistralian heroes, have become her close friends. L'écriture de Mireille se situe à la fois dans une vieille tradition du Midi de l'Europe, qui est la tradition épique, hein, et Lamartine ne manquera pas de dire, au moment de la publication de Mireille, qu'un nouvel Homère est né, c'est-à-dire que Mistral se situe dans la grande tradition épique qui parcourt le Midi de la France et en fait le Midi de l'Europe, on va dire ça de manière plus globale, mais en même temps Mistral va faire de cette structure épique, hein, de ce type de poème, il va en faire quelque chose qui est complètement lié à un terroir et qui va donc qui est une épopée agreste, c'est-à-dire une épopée qui parle de la campagne, une épopée campagnarde. Et c'est une épopée aussi qui va prendre des formes, une technique poétique qui va permettre de hausser à la hauteur du symbolique le quotidien des gens de cette région. Frédéric Mistral was not merely a successful writer. He was also a leader,
a model for his peers, a kind of guru. He was the uncontested leader of the literary movement he co-founded, known as Félibrige, a group of poets who dared stand up to their Parisian counterparts by writing in Provençal. Le mot Félibrige est en fait un mot qui a été inventé par Frédéric Mistral à partir de racines latines et de racines provençales. Et les Félibres, ce sont donc les docteurs de la loi, hein, ou les docteurs de la foi. Et donc, cette jeune poète, qui selon la tradition, se sont réunis au château de Fonségugne le jour de la Sainte-Esselle 1859, eh bien, sont à la fois les témoins et les références d'un mouvement régionaliste qui s'affirme par une langue. Mistral n'est pas qu'une figure littéraire, il est l'image, le double de la Provence. Il est le Midi incarné, il est à la fois une icône, hein, mais en même temps un formidable animateur. Le costume de l'Arlésienne présente un grand intérêt pour le mouvement régionaliste et pour Frédéric Mistral parce qu'il a la caractéristique d'avoir suivi la mode parisienne. Et on voit très bien comment ces femmes de cette région, qui est une région riche, où l'on a la capacité d'acheter des indiennes, de la soie, des rubans, des bijoux, eh bien, comment ces femmes de cette région vont suivre la mode parisienne, mais en faire une mode régionale. Mistral va inciter les femmes à faire un espèce de travail d'inventaire dans les armoires familiales pour y trouver ses costumes et les sortir de la naphtaline, leur redonner vie et que des femmes de tous les âges le revêtent aujourd'hui. Christmas in Provence. Christmas in Barbantane, near Avignon. Tonight, at midnight mass, elegance must match its rival, dignity. Tonight, Law is dressing her cousin, Anne-Sophie. She's transforming her. And this popular haute couture has been passed down from woman to woman for generations. Tu fais des fois les tresses, toi, pour te préparer les cheveux, ou jamais? Non, jamais. C'est parce que là, comme ça, ça empêche de les embrouiller. C'est plus facile pour les mêler après. Mais sinon, ils sont déjà crépés d'avance. Anne-Sophie, vous avez combien de costumes dans votre... J'en ai fait faire qu'un pour l'instant. Sinon, c'était ma grand-mère qui les avait, et donc je mettais... Elle avait toutes sortes de tailles, donc je mettais... Et là, je me suis fait faire une pour l'occasion. C'est le premier? Ouais, c'est le premier. Pour quelqu'un qui a la chance, comme par exemple Anne-Sophie, d'avoir sa grand-mère qui lui passe des affaires de génération en génération, c'est vrai que c'est un véritable trésor. Et est-ce que tu crois que si je peux mettre une croix en argent, est-ce que je peux mettre ça ou pas? Parce que ma grand-mère, elle veut absolument que je mette ça, mais je mets tout or pour Noël. Et... Si je te fais mal, tu me le dis. Non, c'est bon. Voilà. Et tu passes là. Et celle-là, de quoi elle te vient d'où alors? Alors ça, c'est la grand-tante de Jean. Mmh. C'est bon derrière? Oui, 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 c'est bon. Et sur sa casaque, hein? Ah, voilà. Alors ces boucles d'oreilles, ça vient de ton alors, côté ça, par non, contre? Non, ça c'est de mon côté, c'est de ma grand-mère Martin. Voilà, Marthe Larache. Il faut rentrer par derrière. Oui, oui, c'est bon. Christmas in Provence also means 13 desserts.
a tradition also experiencing popular revival. Et j'ai remis le chauffage parce que tout à l'heure il faisait un peu frais. Oui, mais un soir de Noël, il faut qu'il y ait un feu de cheminée. Voilà. Hein? Alors ça, c'est les 13 desserts. Donc il y a les fruits secs, les mendiants, les amandes, les noix, les noisettes, le pruneau, les raisins secs, les figues, les abricots secs, les dattes, les fruits frais, la pomme, la poire, l'orange, le raisin, le melon, la mandarine, et puis il y a les nougats, le nougat blanc, le nougat noir et la pompe à huile. Et la pompe à huile, c'est la fougasse faite à l'huile d'olive. Ouais. Hein? C'est pas la fougasse sucrée. Voilà. Ça représente quoi alors les 13 desserts? Les 12 apôtres. Les 12 apôtres de Christ. Et le Christ. Ouais. Pourquoi il y en a 12 et il y a 13 desserts? Parce qu'on est 12 apôtres et le Christ. The whole village attends midnight mass. The women and the young girls are sisters of Mireille, the heroine of Mistral's masterpiece. The boys imitate the ancient shepherds. In the four corners of Provence, midnight mass is celebrated with fervor and emotion. It's often one of the high points in the life of the village, the moment when the community gathers together and reunites. A culture, an identity is perpetuated here, and sacred song resounds through the old church. For 2 days, volunteers decorated the manger scene with branches of parasol pines or olive trees, and brought out of their armoires ancient wax figurines whose origins remain a mystery to everyone. In its naive theatricality, the Christmas Mass in Provence is full of nostalgia. And on this cold and starry night, the citizens of Barbantin appear to be hearing the gentle masses of days gone by. Romani est le fondateur de la prose provençale moderne. Il a rénové une langue avec Frédéric Mistral, mais d'abord tout seul, puisqu'il a écrit la dissertation sur l'orthographe provençale en 1852, alors que Mistral ne fera son dictionnaire provençal qu'à partir environ de 1876. Donc Romani a vraiment été un précurseur dans tous les domaines. 1855, c'est la date de la mort du père de Frédéric Mistral. Et on sait combien Frédéric Mistral était attaché à son père et au mas du juge à Mayanne. Et cette ouverture de la librairie Romani, avec son ami Romani, qui en était le centre, le pivot, l'âme, ça a été pour lui sa renaissance. Et à force de venir chez Romani, il lui a confié un jour un manuscrit. Il avait commencé déjà à écrire le premier chant de Mireille, de sa Mireille. Et quand il arrive à la librairie Romani pour montrer ce manuscrit, pour montrer ses premiers vers, il a peur. Romani lit ses vers et déclame ses vers tout haut dans la librairie. Et il dit à Frédéric Mistral, « Je crois que le livre national de la Provence vient d'éclore. » Voilà les épreuves d'imprimerie de la fameuse Mireille avec les commentaires de Romani et Mistral qui se répondaient en marge. Mistral dit à Romani « Fauriez cocarène des poupolis tout en estant simple, il faudrait quelque chose de plus joli tout en étant simple. » Et Romani lui répond « N'ayant pas d'autres rimes plus jolies, laissez celle-là que je trouve très jolie. » Et il souligne « très jolie ». C'est l'édition originale de Mireille qui a été éditée par Joseph Romani. Et c'est l'exemplaire de Joseph Romani dédicacé par Frédéric Mistral en provençal. Avignon 1859. Joseph Romani a édité les trois œuvres les plus provençalisantes de Mistral, que sont Mireille, Calendal. Et puis le troisième,
de la trilogie, ben, ce sont les Îles d'Or, qui sont un recueil de poésies diverses. À partir de 1858, on a le premier Armana Provençal. C'était le grand organe de diffusion de la littérature et de la poésie provençale retrouvée, de la langue provençale retrouvée. Mistral, the new Homer. Mistral, the tribal chief. His aura was immense, and all poets from the south of France dreamt of approaching him. The young writer from Nîmes, Alphonse Daudet, wrote admirable works in French. And his masterpiece, the Arlésienne, a worldwide success, was inspired by a tragedy that struck the Mistral family. Mistral's nephew could not marry his beloved because his parents refused him permission. So the teenager threw himself out of the window of the attic and hit the stone table below. He died instantly. Deeply upset, Mistral wrote a long letter to Roumanil, an outline of the Arlésienne's plot. Mon cher ami, c'est une désolation. Pauvre enfant, il a été entraîné à la mort par une fatalité invincible. Et c'est une victime de l'amour et du dévouement filial. Oh, plains la famille, mon bon Rouma, et écris un mot à mon frère ou à ma belle-sœur. La vie n'est plus rien pour eux. Dis ces détails à ceux qui l'ont connu, mais ne livre ces lignes à personne. Frédéric Mistral. The sober house of Mayan, where Mistral spent his final years, has been frozen in time since 1914. The interior remains the same. It's been turned into a museum, a place of worship. Je rentre dans cette maison, j'ai pas vraiment l'impression en fait de rentrer dans un musée. J'ai l'impression de rentrer dans une église, dans une chapelle. Parce que je crois qu'il y a des lieux comme ça, qui sont des lieux qui ont atteint une dimension sacrée, une dimension éternelle. C'est une scène campagnarde avec pas mal de célébrités de l'époque. Jules Charleroux, le père d'Edmond Charleroux, Frédéric Mistral assis, Jeanne de Flandrésie qui racheta à Folco de Baroncelli au début du siècle le palais du Roure à Avignon, et Madame Roy que l'on voit ici. Là on a Madame Mistral, l'épouse de Frédéric Mistral qui est assise, et le chien Barboche. Roumanide, il est là, on voit qu'il est au centre, parce qu'effectivement, il a été au centre de la vie de Mistral, il a été son père spirituel, il a été son maître, et il a été surtout son découvreur. Il y a toujours une rivalité entre les trois maisons de Mistral, le Mas du Juge, la maison du Lézard, et ici, la maison qui a été construite dans le jardin de la maison du Lézard, en fait, et qui est une maison neuve que Mistral a construite pour y terminer ses jours. Il mourra dans cette maison, mais on dit toujours, mais il est né au Mas du Juge. Donc il a dans cette maison quand même fait de grandes choses. Il a écrit Les Îles d'Or, il a écrit La Reine Jeanne, il a écrit aussi, bien sûr, le Grand Trésor, son enfant, son bébé, son grand dictionnaire provençal français qu'il a mis toute sa vie à écrire. Everybody came here to pay their respects to the master. Even the President of the Republic would not miss his pilgrimage to Mayan. In 1913, Raymond Poincaré made his train stop in the middle of the countryside, invited Mistral to lunch with him in his train car, and awarded him the Legion of Honor.
The Muséum Arlatan, conceived and financed by Mistral with the funds from his Nobel Prize, is a model of popular ethnography. For the first time in France, the arts and traditions of a region were exhibited there. And the Arlésiens continued to enrich the museum's collections. In the room devoted to Mistral after his death, his cradle is a Baroque trophy. Idolatry here borders on a cult of personality. Cette salle pourrait s'appeler aussi la salle de l'apothéose mistralienne. Apothéose parce que sur ce tableau, Mistral est présenté par la Provence, il est présenté à la poésie, il est entouré de ses héros. Vous voyez, Mireille va le couronner avec la couronne de laurier. Et en partie basse de ce tableau, on voit la coupe au centre qui évoque la création du Philibrige et l'union des peuples d'Oc, notamment avec la Catalogne, qui sont les substrats d'une œuvre littéraire et d'un travail de mémoire. Je dirais que l'idée même de ce musée s'appuie sur la littérature. C'est très intéressant, c'est de voir que c'est lors de la rédaction du poème du Rhône que va apparaître l'idée d'un musée. Alors, le poème du Rhône est un poème singulier dans l'œuvre de Mistral, puisque c'est un poème qui, en fait, va se terminer par un naufrage abominable, qui est en quelque sorte une fin des temps. Après ce naufrage, il va falloir construire la mémoire. En quelque sorte, la mémoire face au naufrage, la mémoire face à la modernité. The majestic river carries away all the treasures, dreams, and legends of Provence. It is the river of pride as well as a literary character. Mistral measured the myth, and the 12 epic cantos of his vast poem of the Rhône still resound in the secrecy of its banks. The Rhône River has seen and heard it all. The Beaucaire Chateau on the right bank projects echoes from the 13th century as one of the great crossroads of European commerce. At its height in the 18th century, the Beaucaire Fair lasted the entire month of July and welcomed over 300,000 visitors. A month of cosmopolitan and business fever. A month of unbridled celebration. On the other side of the bank, its old rival, the medieval Chateau of Tarascon, one of the most beautiful in France, had an entirely different destiny. It became a prison for nearly three centuries until 1926. Up to now, the great river coming from the Swiss Alps has suffered all possible outrages. Its waters have been polluted above Lyon. Its course has been redrawn. It has been levied, corseted, obstructed with dams and locks. Provence is the Rhône's Eden, and Arles its last masterpiece. The river has flowed alongside vineyards and groves of olive trees. It has admired the bald mass of the Ventoux, rubbed up against villages of blonde stone. Arles is its door of liberty. Regain savageness. There will be no more bridges until the sea, no more factories, no more freeways or railways, just the drone of the ferry between its banks, the cry of birds at the water's surface, the rustling of the reeds in the wind, otherwise silence and the shimmering sunlight. Marseille has been resplendent in its harbor for over 2,500 years. In the Estac Massif, two young singers from the Corps de la Plana, the Chorus of the Plains, a polyphonic Provençal group. They are urban, politically involved, passionately rooted in Marseille, and they sing in the language of Mistral, but without Mistral. Manu Théron, the group's leader, ignores ghosts. À Marseille, les félibres, on les voit pas.
et on ne les a jamais vus et on s'en fout. On n'a pas du tout cette idée-là par rapport aux Provençales. Et donc, le fait qu'on ne les voit pas, le fait qu'on ne sache même pas qu'ils ont existé, le fait qu'on n'étudie rien de Provençal à l'école, le fait que personne ne connaisse Mistral dans cette ville, peut-être que ça nous a libérés complètement de tout un tas d'un quintal de poussière que les autres sur les skins quand ils essayent de se confronter à cette culture. Nous, on n'a pas cette poussière. On a eu la chance, comme je vous disais tout à l'heure, le territoire marseillais, il est un peu comme sa population. Il y a un renouvellement permanent. Il y a des tables rases de temps en temps et il y a un renouvellement permanent. Et pour ça, moi je suis très content que du coup, à 18 ans, à 20 ans, on peut interroger, soit par la toponymie, soit par les anciens, soit par ce qu'on veut, cette culture, d'une façon neuve et d'une façon complètement naturelle, sans se poser la question de à quel moment je vais éternuer dans toute cette poussière, quoi. Not all of them speak the language fluently, but they've all made a clear choice. It's their culture, their difference, their secret garden, and also a challenge to the norms of the times. Les textes étaient entièrement des textes traditionnels, mais qu'on les chantait avec une fougue et on va dire presque un énervement qui était pour moi plus proche du punk que de la musique traditionnelle à l'époque. Et c'est cette énergie-là, très particulière, je pense, qui a fait qu'il y a eu un intérêt à Marseille pour notre musique. Et aussi parce que dans le grand bassin de musique diverse et variée qu'est Marseille aujourd'hui, il manquait cet élément-là, cet élément à la fois qui s'inspirait de choses locales, et de choses locales très anciennes, mais qui puissent être confrontées à la modernité et à notre quotidien urbain. Et donc cet élément-là, on l'a apporté, il y a de suite eu un engouement pour cette forme de musique, ce qui fait que Gatchampeg, c'est une expérience et un groupe qui a tourné énormément à l'époque. On a fait beaucoup et dans toute la France, même en Europe. Et chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Tonight, the Cor de la Plana is in its fife, their local neighborhood bar. Ma langue de création. J'écris en provençal. Maintenant, j'écris la plupart de nos textes. J'écris en provençal. Je pense en provençal quand je l'écris.
Je rêve pas en provençal, je rêve en français. Mais je pense que ça serait un fantasme inutile que de vouloir faire de cette langue une langue de communication quotidienne ici. Fantasme que j'ai eu presque, hein, mais qui m'intéresse plus maintenant. Et je pense que par contre, la création, c'est du fantasme, et qu'en tant que langue de création, elle a tout à fait sa place, le provençal, dans le cadre des activités artistiques qu'on peut avoir dans la musique. The hour of the coronation has come. The people of Arles gather together in front of City Hall. The herdsmen and their ladies take their places in front of the grand balcony. Here she is. The 19th Queen of Arles is 20-year-old Nathalie Shea. Provence has breath, inspiration, style. Frédéric Mistral's shadow is shaken off. Jono's steps fade away. Between light and transparency, dawn caresses the Alpine yet again.